hell. As long as it's not going to kill you, it's going to make you what? Stronger. En fait, comme c'est intéressant ce que tu dis, c'est une vision à court terme comparée à une vision à long terme. Ouais. Et tu viens de dire quelque chose de très intéressant aussi, c'est en fait les bailleurs de fonds sont en train de créer une économie, puisque ces bailleurs de fonds viennent de l'extérieur, ils sont en train de créer une économie à leurs entreprises, pas nécessairement aux entreprises ou à la population africaine. Donc c'est encore une fois un système qui a été créé pour trouver un moyen de vendre des produits de chez eux, ou des solutions ou des technologies de chez eux, aux pays africains, qui n'est pas nécessairement développé pour l'Afrique. Mais moi je dis, pour moi personnellement, tant qu'on dépend de bailleurs de fonds, rien n'a changé. Moi c'est ça que je vois aussi, parce que ces bailleurs de fonds, ils utilisent l'argent de leurs taxes. Ils ne sont pas là pour aider l'Afrique. Moi j'ai toujours dit ça. Ils ne sont pas là pour aider l'Afrique, ça, c'est vrai. Ils sont là pour aider eux-mêmes. Ils ont des buts personnels, ouais. Qui est normal, c'est leur argent. Ils sont. Et moi, cette idée de. Oui. Ça revient. Et moi, moi, j'ai fait un blog sur les compagnies de développement, les organisations de développement, qui s'appellent l'organisation de développement de pays en voie de développement, qui sont soi-disant, alors que c'est tout un mensonge. Moi, je préfère quelqu'un qui le même et qui dit, écoute, on cherche un marché pour nos compagnies privées, et si vous êtes intéressé, oui, on va financer. Au moins, vous êtes honnête dans la vente de cette histoire, au lieu de dire, non, on est ici pour vous aider, voilà, on a des produits qui vont arriver, votre solution. Mais pour revenir à... Et moi, la dernière question que j'ai, et j'aime vraiment donner des informations aux jeunes Africains, qui cherchent des opportunités. D'après toi, quels sont les... Parce que le solaire, c'est un monde vraiment énorme, les différents secteurs et tout ça. Où est-ce que tu vois les plus grosses opportunités dans le secteur énergétique renouvelable? Ouais. C'est où, dans quel domaine tu vois il y a un grand besoin et un besoin qui va augmenter d'ici 5 à 10 ans, où tu vois qu'il y a plein d'opportunités que les jeunes peuvent rentabiliser ou rentrer dedans? En fait, c'est quasiment dans tout domaine énergétique, parce que ça ne termine jamais. Si je vais aux États-Unis, je suis allé aux États-Unis en partant de France, je voyais que des opportunités. Parce que j'ai fait électromécanique et énergie, et je peux faire donc plomberie, électricité, et les AC, comme les climatiseurs. Tu vas dans la solution énergétique, tu vas dans l'efficacité énergétique, des choses comme ça. Et donc, tu as beaucoup de travail qui existe, qui va rester. Quand je suis arrivé au Rwanda, tout le monde qui sont connus dans le solaire me disait, moi j'ai changé il y a un an. Pourquoi tu as changé? Parce que le solaire c'est fini là. Je dis, pour moi ça n'a pas encore commencé. Et ils étaient sincères, ils avaient changé de secteur. Complètement, j'en ai plusieurs. Mais ils sont revenus après certains, mais d'autres pas. Parce que ces gens ont cru comprendre que le solaire était un truc qui c'est les surfers sur la vague dont on peut parler de société internationale ou des ONG qui aident, parce que c'était terminé la vague des ONG américaines qui aidaient les centres de santé et autres. Il y avait un boom, il y avait beaucoup de travail, les gens sont allés dedans, et après c'était fini les aides, les gens ils partaient, ils repartaient chez eux. Comme les sociétés appelées solaires de par ONG internationale étaient repartis chez eux, et donc le solaire était terminé par rapport à ce que les gens disaient. Et donc j'ai dit non. Et à l'époque, c'était, il n'y avait que 100 chauffe-eau solaires qui étaient installés sur les maisons. C'était le projet pilote. Okay. Et les gens disaient non, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? Et là, j'ai compris qu'il faut que les gens arrêtent de penser un business comme le robot. Parce qu'on a aussi cette habitude à part africaine de ne pas penser comment demain ça va être. Merci.
En Colombie, on vient juste de commencer, les AIPS, ça c'est une solution très bien. Et même on commence à demander, mais ces gens qui sont des AIPS, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire tout ce qui est là. On a beaucoup de bâtiments, on a de l'électricité, de la plomberie, et c'est un gros problème dans le bâtiment. Et ça, ça existe et ça va continuer à exister. Si on continue à faire, à trouver du travail en étant plombier en France ou aux États-Unis ou ailleurs, alors qu'ils ont fait des meilleures choses et qui durent longtemps, c'est qu'il y a besoin. Donc plus on en fait des maisons, plus on est consommateur d'énergie, plus ces gens qui sont dans l'énergie auront du travail. Et donc, il y a, moi quand je suis sorti de l'école en 99, le métier de plombier n'existait quasiment pas. C'était un gars du quartier qui s'est fileté des tuyaux, deux, trois galvas là, et il fait un coude, deux, trois, et puis un robinet, et puis c'est un plombier. Appelez-moi le plombier, et le plombier est arrivé, il fait un robinet. En fait, un assembleur de tuyaux était un plombier. Maintenant, on est dans, dans les calculs, on va parler du fluide, et comment ça va se passer, de pompes qui vont aller dedans, de nombre de consommateurs, puis optimiser les choses. Et donc ça devient un métier. Combien de plombiers de métier qu'on a qui comprennent tout l'affaire? Il y en a très peu. Et mais ça sort de l'école même. Oui, et ça devient un métier. L'électricité, ça devient un métier. Chauffe-eau solaire, ça devient un métier qui va se détacher de la plomberie. Maintenant, on dit, ah, mon plombier va m'en mettre. De toute façon, c'est un truc qu'on met là-dessus. Ah ben ouais. Mais après, on va comprendre que c'est pas le mettre que là-dessus, parce qu'il y a la charpente. Et il faut peut-être faire gaffe à ça. Donc le charpentier va jouer là-dedans. Et puisqu'il aura du travail, il va pas mettre la main dedans. Donc il y aura quelqu'un qui va s'occuper de ces petites choses qui sont à côté, qui va être dans le solaire thermique. Et ça deviendra un métier à part entière. Et le solaire photovoltaïque est comme... Là, par exemple, tes kits, tes kiosques, ils vont créer un métier aussi à côté. Tu vois, les techniciens qu'on essaye d'apprendre ce qu'ils vont faire, il va falloir quelqu'un qui a fait un peu d'électronique, un électromécanicien. Ouais. Ça va être un gars à toi, à un métier. Tu es en train de créer un métier de demain. Et ce métier, il va être un gars qui fait de kiosques. De chez toi. Il va être spécialisé à la marque. S'il y a une marque autre qui va venir, il va être bien, mais il y aura des différences. Il va peut-être s'adapter à la différence, mais être dans ce truc. Puisque j'ai vu que tu as mis des Wi-Fi, il faut comprendre ce genre de choses. Et s'il y a une coupure, qu'est-ce qui va se faire? Donc, il faut qu'il y ait une formation sur ça. Qu'il ait une petite formation sur la mécanique parce qu'il y a des choses à bouger et je le place où parce qu'il y a du vent, je le place où parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire bouger, c'est quoi le panneau solaire qui est dessus, comment est la transmission, ma batterie qui est dedans, elle réagit comment, si je mets un soleil qui est trop tapant, ça va me réduire à la production, et les méprises sont cassées, comment je peux soulever ça. Donc tu vois, le gars, comme les gars qui font des radios là, des choses comme ça, ils sont très bien pour ça. Mais ça devient un métier, puisque ça va durer longtemps. Et celui qui va faire du photovoltaïque comme sur des maisons ou des centrales comme ceux qui sont à Guamagana là-bas, ça devient un métier à part aussi. Le plombier qui va déboucher les toilettes ou les lavabos, des choses comme ça, c'est un métier. Donc, les gens, je ne me souviens pas exactement de la question, mais... Non, la question était, pour te rafraîchir, la question était, quelles sont les opportunités dans l'énergie renouvelable pour un jeune qui veut commencer? Pour un jeune qui sort de l'université, il dit, bon, je suis intéressé, parce que j'en rencontre pas mal, je suis intéressé par l'énergie renouvelable, mais il va dire, bon, je ne peux pas rentrer dans le fond sur le système parce que c'est pas nécessairement ça, mais il y a plein de compagnies dedans. Donc, quelles autres opportunités il y a dans ce domaine? Parce que comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le marché est saturé, où ils voient le solaire en tant que rentre sur le système, c'est tout. Ils ne voient pas d'autres opportunités, d'autres technologies, d'autres solutions, d'autres marchés, tout ça. Donc, c'était ça en fait. Oui, c'est ça. En fait, en répondant comme ça, c'était pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se créent, qui vont devenir un métier petit à petit, qui sont déjà un métier aujourd'hui et qui vont en devenir demain. Okay. Et donc,
ces jeunes qui sortent de l'école ou qui essayent de se former dans le métier, parce que la plus grande partie qui font du solaire aux États-Unis ou en Europe, c'est des gens qui sortent d'autres secteurs, qui sont saturés. Moi, j'ai formé beaucoup d'informaticiens. J'étais même pas ingénieur à l'époque. Et je formais des ingénieurs qui sont futés, qui ont 10 ans d'expérience. Je venais sur ma plateforme, on leur montre ce qu'il faut faire et tout machin. Ils sortent de l'école, ils sortent du métier qui est saturé maintenant. Un informaticien en Europe, il y a très peu, et c'est hyper usant. Et donc quand tu fais 10 ans, tu as tout donné, tu veux que faire autre chose. Donc ils changent. Ils changent complètement. Les jeunes qui s'amusent avec, ils vont tout de suite sortir de l'école, ils vont faire des choses. Et c'est bien, parce que lui, il a de l'énergie à dépenser, mais après 10 ans, il va revenir. Donc j'en ai eu plein. Ce qui veut dire que ici, on a ces opportunités qui existent. Ouais. On n'a pas encore des métiers d'ailleurs qui sont saturés parce qu'on entre dedans. Oui. Donc demain, ça va être fait. Les jours seront meilleurs. Okay. Ça, c'est sûr. Au niveau du métier, il faut apprendre un métier. Il y a un futur énorme. Très positif. Moi, je suis partenaire avec les IPRSIS. Je faisais une conférence chez eux récemment en me disant, ils me disaient, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, on va au chômage et tout machin. Ouais. Je dis, non, jamais. Tu sais faire ceci, cela, machin, chose, va te vendre et tu vas avoir des choses à faire. Ouais. C'est vrai que quand tu parles de je ne sais pas ce que je vais faire, c'est par rapport aussi à la peur de ces sociétés qui sont gros, qui bouffent tout. Et qui oriente les choses et qui poisonne le marché. Et du coup, on n'est plus dans la possibilité d'avoir ce genre de travail. Et ceux qui le font à côté aussi le font mal parce qu'il n'y a pas un suivi. Moi, je pense que l'avenir de ce genre de métier est là. On n'est même pas à 1% de ce qui va se faire dans 5-10 ans. Même pas 1%. Parce qu'on aura là, si vous avez un souci de plomberie et d'électricité, vous allez avoir besoin d'un électricien. Je vais faire un SOS plomberie électricité 24h sur 24. Je sais que j'aurai beaucoup de